Il est mort et c'est plutôt récent. Ouvrez l'œil. Dans l'ombre d'un démon de métal. Super. Il y en a aussi à l'intérieur. Un combat figé dans la glace et le temps. Il est passé. Le Titan a traversé nos défenses. Il avance encore. Est-ce que tu captes ça, Silence? Silence? Silence, tu captes ça? Qu'est-ce que c'est? Tous ces soldats. Ils sont morts ici. Des gens meurent sans arrêt. Continue, cherche quelque chose d'intéressant. Opération Victoire Pérenne. Ça veut dire quoi? En tout cas, j'ai pas l'impression que ça se soit bien terminé. Thank you.
les soldats dormaient. Comme dans la cabane du cœur de la mer, j'imagine. Journal. La première bataille de la digue de la côte Est se préparait depuis longtemps. C'était avant Kalmar. Et les projections étaient bien pires pour l'Est. Pendant 3 semaines, on nous a envoyés dans un bled sur la côte pour former des minutes. Il pleuvait sans arrêt à cause de l'Europe qui cramait déjà. Les préfabriqués s'alignaient à perte de vue. Ils imprimaient encore des baraquements quand le gros de la force a frappé. Les minutes, on faisait des exercices de combat avec eux dans leur propre rue. On faisait semblant de croire qu'ils pourraient avoir une vie ailleurs s'ils faisaient attention. Le pire, c'est que certains nous croyaient vraiment. Plein d'espoir, ils nous harcelaient de questions sur Aube Zéro, comme si on en savait plus qu'eux. Franchement, plus on fait ça, plus on ressemble aux robots. Sauf qu'eux, ils en apprennent à chaque combat. Alors que nous, j'en suis pas sûr. Journal. 3e bataille de Californie Marine. La colonie vient du Pacifique et... Je ne sais pas si c'était les minutes du coin ou les tarés de la 15e, mais... Ils avaient foutu le feu au vortex d'ordure. Merde. L'océan était en feu. Ce truc était... La première vague de robots est arrivée, couverte de déchets enflammés. Ça nous a laissé un peu plus d'une heure pour les massacrer sur la plage avant que la colonie recalcule sa trajectoire. On les a attirés sur Terre, dans le centre de Kalmar. On leur a fait tomber des immeubles dessus, on a passé le réseau à l'IEM. Les procédures habituelles, quoi. La dernière fois que je suis allé en Californie, j'avais... 5-6 ans. Il y avait une lumière comme ce filtre photo qu'on voyait partout dans les années 40. C'était quoi cet endroit ? Rappelez ! On m'a ordonné de vous signaler l'article 115 de notre politique concernant l'usage non autorisé des cycles de processeurs. La section 115C mentionne « Toute simulation holographique sans lien direct avec la formation ou l'efficacité opérationnelle. Considérez-vous comme prévenu et amusez-vous bien. » Que ça fait plusieurs jours. Désolé, chérie. Les déploiements sont de plus en plus longs et de plus en plus durs. La colonie arrive à prévoir notre arrivée. On est moins nombreux et... Il faut qu'on fasse tout le boulot des disparus. C'est comme une entreprise familiale en crise, mais... C'est pas ma famille. Je suis pas avec toi. J'essaie encore de te voir. De voir notre vie dans les yeux des gens d'ici. Je me souviens qu'ils étaient contents de nous voir, quand ils avaient de l'espoir. Mais cette lueur est en train de s'éteindre. Je ne reconnais même pas les endroits qu'on défend. La seule raison pour laquelle je me bats, c'est... Toi, pour qu'Aube Zéro puisse arranger la situation, quel que soit ce projet. Merci pour tes messages, chérie. Le temps passe vite en service actif. En 4 mois, avec les rappelés ravageurs, on a fait quoi ? 20 largages ? Je fais des allées et venues sur la côte ouest, je combats aux côtés de civils, des mecs et des nanas batailleurs. Leur formation se résume à « Voici une AED, si tu vois un robot, tire dessus ». Mais bizarrement, ça fonctionne. Avec la 6e BRM, on a descendu un Horus à Lithium Beach. On s'est tiré avant que ses copains arrivent, mais ça fait plaisir d'en avoir eu un. J'espère qu'ils en parleront aux infos, chérie. Que tout le monde sache qu'on a une chance de s'en sortir. Il faut seulement qu'on accorde au projet Aube Zéro le temps nécessaire, et tout redeviendra comme avant. Les meubles étaient... en métal ? Ça devait pas être très confortable. C'était l'âge de métal. Il devait avoir l'habitude. Un seul lit.
La chambre de leur chef, peut-être. Une lumière rouge. Il doit pas y avoir de courant. Ces câbles doivent mener à la source d'alimentation. C'est intéressant. La dernière fois que j'ai vu ça, j'étais toute petite. Ça doit être un genre de code. Je devrais essayer de scanner des objets dans le coin. Hey, vous vouliez savoir comment je me souviens du reboot pour la géothermie? C'est très simple. Les oiseaux vont au nord en été, à l'est au printemps, à l'ouest en automne et au sud en hiver. Ça vous embouche un coin, hein? Mike le Tekos qui déclame un poème, pas vrai? Une fois de plus, je vous étonne. Trois câbles, trois sources. En voilà une. Et de deux. Encore une. C'est bon. Je crois que ça a marché. Des bruits d'outils et des voix. Sûrement l'éclipse. Il doit y avoir une autre entrée.
cherche pas les réponses. Ça recommence. Je sais que je t'écris trop. Je suis si fière de ce que tu fais. On l'est tous ici. On a été déplacés à 10 km de la côte, par précaution à ce qu'ils disent. L'école est encore ouverte. Je peux garder un œil sur Andras et Reggie. On ne sait jamais quand et où tu combats. Mais quand les Adaf passent dans le ciel, les enfants leur font des signes. Je crois en toi. Je sais que rien ne sera plus jamais pareil. Mais je crois en toi. Je crois en nous. Ames, je ne sais même pas si tu es encore en vie. Les messages que je reçois, ils disent qu'ils sont de toi, mais ils ont l'air recyclés. Des bouts de phrases à coller. Et tu ne parles jamais des nouvelles que je te donne. La zone de confinement, les recycleurs d'oxygène, les émeutes inter. Ce qui s'est passé dans la bulle de Dallas, Ames, ce n'était pas les robots. Ils ne me donnent même pas de réponse claire. Quand je les somme de me dire si tu es en vie, ils disent que si tu continues d'envoyer des messages, ça veut dire que tu es opérationnel. Ce n'est pas juste, Ames. Ce n'est pas juste que tu ne sois pas avec moi quand tout s'éteindra. Je t'aime. C'est si triste. Merci pour tes messages, chérie. Le temps passe vite en service actif. Déjà 4 mois avec les rappelés ravageurs. Je combats aux côtés des civils, des mecs et des nanas batailleurs. On forme une belle équipe. Avec la 6e BRM, on a descendu un aux Russes. J'espère qu'ils en parleront aux infos, chérie. Que tout le monde sache qu'on a une chance de s'en sortir. Il faut juste qu'on laisse un peu de temps au projet Hope Zero. Je sais que ça fait plusieurs jours, chérie. Je suis désolé. Les déploiements sont de plus en plus longs et on doit tous faire notre part du travail. C'est comme une entreprise familiale. Mais je te vois dans les yeux des gens d'ici. Ils étaient contents de nous voir. Ils avaient encore de l'espoir. Je continue à me battre pour toi. Bilan de situation. 9e brigade de riposte mécanisée. Lieutenant Fiona Morel au rapport. Le moral de l'unité est de plus en plus affecté par les missions de combat contre le fléau Pharo, en particulier quand lesdits combats ont lieu dans des secteurs dont les combattants civils ont subi des assauts intenses. L'étendue
et la nature des dommages subis par la garde civile et les civils non armés de ces zones sont indescriptibles. Et ce spectacle suscite un sentiment général de désespoir au sein de l'unité. C'est pourquoi je demande à nouveau que les déploiements de la 9e BRM soient temporairement recentrés sur les bâtiments essentiels à la mise en place du projet Hope Zero. Et une fois de plus, je demande également une communication immédiate sur le statut du projet Hope Zero. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça? C'est une carte. Une carte? Mais de quoi? Du monde. De la planète Terre, Aloy. Elle n'est pas plate comme tu le pensais. Pourquoi je penserais ça? Pendant les éclipses, l'ombre portée sur la Lune est courbe. Notre monde est donc un globe. Et il ressemble à ça, vu de loin. On parlera de ça plus tard. Revenons à nos affaires. Les robots pharaons se sont répandus dans le monde, en consommant tout. On sait qu'Elisabeth a pu les arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Mais comment ? L'éclipse. Il bricole le démon de métal. Il ne pense pas pouvoir le réveiller, quand même. Faites attention! Celui-ci bouge. Thank you.
marcher. Ces soldats dans le passé, ils devaient combattre des centaines de ces choses en même temps. Merci, Docteur Sebek. Asseyez-vous. Quoi ? Vous lui êtes reconnaissant après ce qu'elle vient de dire ? Le Docteur Sebek a parfaitement éclairci la situation, commandant, mais nous a donné une option. Nous devrions tous la remercier. Mais c'est juste que... Enfin, mon Dieu ! Peut-être voulez-vous en parler en ligne ? Il n'y a pas la moindre discussion à avoir. Vous avez vu les chiffres. Ted Faro signera le chèque, mais son argent ne pourra pas acheter le temps nécessaire pour terminer Hope Zero. Ça, on ne l'obtiendra que par le sang. Oh, s'il vous plaît. Si on améliore notre flotte, qu'on arrive à pirater les codes... Vous n'avez pas écouté. Les robots ne combattront pas à votre place cette fois. En matière de piratage, cette colonie est un prédateur de premier ordre. Si vous leur envoyez des machines autonomes, ils les pirateront et les récupéreront. Mais enfin, on va quand même pas envoyer des civils à l'abattoir. Commandant... L'ennemi que nous affrontons s'auto-réplique plus rapidement qu'on le tue. Et il s'alimente de biomasse. Hope Zero, c'est tout ce qu'on a. Alors on va donner un canon électrique à tous les civils assez solides pour en porter un, leur montrer où appuyer, et les envoyer au front. Comment on va les motiver ? En leur donnant une bonne raison de combattre. Hope Zero. Le programme top secret de super-arme qui nous sauvera si l'humanité retient la colonie assez longtemps pour que le Docteur Sobek et son équipe le terminent. Le fichier que je vous envoie est le plan de bataille de l'opération Victoire Pérenne. Le plan de bataille ? C'est un crime de guerre ! C'est loin d'être idéal, mais on n'a que ça. Envisagez cette option. Docteur Sobek, je vous ai affecté une base de lancement orbitale déclassée à Bryce dans l'Utah pour que vous développiez Hope Zero. Vous aurez de la place. Quand commencez-vous ? Je vous ai envoyé une liste de candidats Alpha et Beta. La plupart sont des ressortissants étrangers ou des employés de Holding, donc leur extraction. Je m'en occupe. Vous aurez votre équipe. Comptez dessus. Alors j'y vais. La base de lancement orbital ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens ? Qu'a bien pu faire Elisabeth ? Docteur Sobek, comme prévu, l'assaillie de Wichita est tombée. 5 titans Horus sont parvenus à passer. Contact prévu dans 34 heures. C'est bon, tout est en place, Général. Il a fallu prendre quelques raccourcis pour tout organiser, mais le projet Hope Zero est opérationnel. On est prêt. Alors Victoire Pérenne a réussi sa mission, finalement. Oui, si on avait eu un seul jour de moins... Je vous ai envoyé un fichier crypté. S'il vous plaît, archivez-le pour moi, docteur. Je verrai ce que je peux faire. Qu'est-ce que c'est ? Une déclaration. Une sorte de plaidoyer, si on peut dire. Pour quel crime plaidez-vous coupable ? Au cours des 16 derniers mois, docteur, j'ai été le responsable du plus grand massacre en masse de personnel militaire et de civils dans l'histoire. L'histoire. Gengis Khan, Hitler, Staline, Sorabella. Additionnez leurs victimes. Ils sont encore loin du compte.
les avez battus, Général. Non, pas directement. Mais je ne suis pas devenu le commandant le plus gradé des États-Unis en refusant l'automatisation des forces armées. Avant même la colonie, docteur, j'aidais déjà la mort. Et au lieu de laisser ce que j'ai fait sombrer dans le chaos, dans l'oubli, j'ai créé un fichier qui recense tout. La postérité jugera mes actes en connaissance de cause. J'accéderai à votre demande. Mais gardez en tête que... sans ces actes qui vous font horreur, sans nos actes, il n'y aurait pas de postérité pour nous juger. Peut-être, docteur. Repos, Général. Au revoir. Quelle tragédie. Pas fâché d'être enfin sorti. Je vais devoir trouver la base de lancement orbital dont il parlait. J'ai vérifié mes données et localisé la base. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et la mauvaise ? Elle est juste en dessous de la citadelle. Le palais de Brunante. La capitale des Karja de l'Ombre. Ça complique pas mal les choses. En effet, le palais grouille d'agents de l'éclipse, dont beaucoup sont haut placés. Et tous sont équipés d'un focus. Dès qu'ils te verront, Hadès te verra aussi. Il enverra un nouvel ordre d'assassinat, et cette fois, toute la milice des Karja de l'Ombre sera à tes trousses. Alors, désactive leur focus ? Tu l'as déjà fait ? Ce n'est pas si facile. Il y a beaucoup trop de focus rassemblés. Chacun communique avec les autres et avec Hadès. C'est un réseau entier. Un réseau ? Qu'est-ce que c'est ? Imagine une toile, vaste et invisible, qui recouvre tout le territoire d'un bout à l'autre, reliant tous les focus. Ce qui leur permet de communiquer sur de longues distances instantanément. D'accord, donc il y a un moyen de couper la toile ? Faire planter le réseau, c'est osé. Oui, il y a un moyen. Un point faible dans le réseau. Dis-moi où. Je t'envoie les coordonnées sur ton focus. Vas-y, et je te donnerai des précisions un peu avant que tu n'arrives. C'était quoi, Aube Zéro ? Quel genre de super-arme a bien pu créer Elisabeth ? Elle a arrêté les machines, mais c'était après que le monde qu'elle avait connu, sa civilisation, se soit éteint. Espérons que ça ne se reproduira pas.